Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 43e tournoi national Midget de la chute sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal Le Régional et aujourd'hui nous vous présentons un résumé des trois matchs des Stars de la chute qui ont été présentés le 16 mars dernier à l'Aréna de la chute. Et on commence tout de suite avec les faits saillants dans la classe B entre les Stars 1 de la chute contre les Concordes 1 de Mirabel. Compagnie de Shane Black, l'entraîneur chef des Stars 1 de la chute. Je regardais un peu avant le match votre statistique contre cette équipe-là des Concordes 1 de Mirabel. Vous aviez joué deux fois contre cette équipe-là et les Concordes vous avaient dominé 14-0 au chapitre des buts en deux matchs au mois de décembre. Trois mois plus tard, on se retrouve au tournoi Midget et là c'est vous qui menez le match 2-0. Ça finit par un match de 2-2, mais qu'est-ce qui est arrivé pour que cette fois-ci, vous ne me fassiez pas déclasser par l'équipe de Mirabel? Mais je trouve que ça nous a pris un peu de temps d'améliorer et commencer à jouer en équipe. Au début de l'année, c'était tough un peu. Tu sais, les gars, ça fait beaucoup de gars sur l'équipe. Ils n'avaient pas d'expérience jouer ensemble. Là, rendu à cette étape du saison, on commence à s'améliorer, à jouer du vrai hockey. Et donc, vous avez quand même été content du travail de votre équipe aujourd'hui, malgré que la troisième période a été un petit peu plus difficile? Ah, excellent. Excellent. Je trouve les deux premières périodes, surtout. Le jeu d'équipe était là, les passes, le forecheck, tout le monde sur l'équipe il patinait. Puis notre goaler, ça fait, il joue de même toute l'année. Là. C'était vraiment. Si ça ne serait pas pour Gab, on pense pas qu'on annulera 2-2 dans ce match-là. Et qu'est-ce que vous pensez que vous allez devoir faire pour que, justement, pour le reste du tournoi, vous puissiez gagner des matchs? Je trouve dans ce game-là, on avait bien joué, mais la pause entre le 2 et le 3e période, je pense que les gars ils ont assis un peu trop dans la chambre, puis on a sorti de la 3e, ils patinaient pas comme il faut, puis manquait juste un peu de positionnement puis d'effort dans la zone défensive qui nous a coûté les deux buts dans le 3e. Bien, merci beaucoup. Bonne chance pour le reste du tournoi. Merci à vous aussi.
compagnie de Perley Bevan, le joueur du match pour les Stars 1 de la chute. Alors, parle-moi un peu de ton match. Ça a été quand même un match nul pour vous, mais quand même, vous êtes bien défendu. Ouais, c'est mon premier match de l'année avec cette équipe-là. Je pense que c'était vraiment bon, une bonne équipe, jouer contre une équipe qui, je pense, que est tough de battu. On a joué vraiment bon comme une équipe, vraiment bon. Et ouais, c'était gros dans l'estrade. Donc, beaucoup de personnes. Puis, ouais, c'était, comment tu dis ça, nervous, mais c'était un bon game, ouais. Et justement, tu dis que c'est ton premier match avec l'équipe des Stars 1. Est-ce que c'est ton premier match au tournoi Midget? Ouais, premier match au tournoi Midget. Et comment tu trouves ça, justement, de participer au tournoi Midget? Nervous. A lot of pressure. Beaucoup de pression dans l'estrade. Mais c'est fun, vraiment fun. Hey, je te remercie beaucoup. Félicitations pour ton titre de joueur du match. Bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup. Voici maintenant les faits saillants du match dans la classe 2B entre les Stars de la Chute et les Patriotes de Saint-Eustache. De Philippe Lauzon, l'entraîneur-chef des Stars 2B. Une belle victoire de 4-2 pour votre deuxième match. Parlez-nous un peu de l'importance que c'est pour vous de commencer ce match de façon très agressive. Vous avez pris les devants rapidement 3-0. On est parti sur les chapeaux de roue, vraiment. On voulait un début de match très, très, très agressif, dicter le ton, étant donné que c'est une équipe qu'on sait qui est quand même assez aussi agressive au niveau en zone défensive. Et aussi, on voulait là, être capable de donner le ton, de donner un avantage à notre gardien de but, de pouvoir nous garder dans le match et de laisser un peu de poids là, sur ses épaules. Vous venez de signer donc deux victoires en autant de rencontres dans ce tournoi. Mais vous aviez affronté deux équipes que vous connaissiez déjà dans votre ligue. Là, votre prochain match contre une équipe du Témiscamingue que vous ne connaissez pas, comment on prépare son équipe? Est-ce qu'on la prépare différemment que quand c'est une équipe qu'on connaît, qu'on joue en saison régulière ou c'est la même chose? On la prépare différemment un petit peu, oui, étant donné qu'on n'a pas joué contre eux. On ne sait pas de quoi l'équipe va avoir l'air. On ne sait pas comment leur stratégie va avoir l'air. Donc, on est très, très strict sur, justement, encore une fois, la stratégie établie, le plan de match, mais aussi l'intensité et le focus vont être de mise là, pour le match d'ouverture vendredi. Bien, merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance pour votre prochain match. Merci beaucoup. Compagnie d'Eliott Bigras, le joueur du match pour les Stars W. Parle-moi un peu de ta rencontre, justement. Vous aviez commencé très fort, pris les devants 3-0. Mais en troisième période, on a vu que l'autre équipe revenait un peu de l'arrière. Ouais, ben c'est ça. On a commencé fort, on a scoré 4 buts en première période.
En deuxième période, on a remarqué qu'ils se sont réveillés un peu là au bord. Puis en troisième période, on a commencé à prendre des mauvaises punitions. Fait que ça nous a mis dans le pétrin un peu. Et là, bon, une belle victoire, deuxième victoire en deux matchs. On remarque que vous avez un bel esprit d'équipe. Tantôt, on descendait, puis on vous entendait déjà chanter des chansons. Parle-moi un peu, justement, de qu'est-ce que vous faites, vos cérémoniels d'après-match, le cast du joueur du match, ouais. les chansons? Bien, dans le fond, on essaie juste d'avoir le plus de fun possible, garder ça soft. On se met pas trop de pression, puis c'est ça, on essaie d'avoir du fun même avant la game. Fait qu'on écoute la musique qu'on veut, puis c'est pas mal ça. Puis là, ben, c'est ça, donc vous chantez vos chansons de la victoire après le match. Ouais. Parle-moi un peu de ça, justement. Ben, celui qui s'occupe de la musique, souvent, il choisit les chansons, puis après ça, les autres joueurs, ben, ils en demandent, puis on chante toute l'équipe ensemble. Toute l'équipe ensemble, ça fait un bel esprit d'équipe. Ouais. Félicitations, bonne chance pour le reste du tournoi. Ah, merci. Là. Merci. Voici maintenant les faits saillants du match dans la classe B entre les Stars 2 de La Chute et les Patriots 1 de Saint-Eustache. De Simon Paquette, l'entraîneur-chef des Stars 2 de la classe B. Donc, bien commencé le tournoi, une belle victoire de 3-2. Malgré tout, on a senti beaucoup d'indiscipline vers la fin du match. Comment vous allez régler ça pour les prochaines parties? Oui, c'est sûr qu'elle n'a pas été facile, cette game-là, comme première game. Là. Mais écoute, les joueurs étaient nerveux, je pense, un peu. Puis les prochaines, ça va être plus relax. Puis on va jouer notre match qu'on joue d'habitude, là, un petit peu plus discipliné, mettons. Et parlez-moi justement des autres choses qui seraient à améliorer pour les prochaines rencontres, à part la discipline. Oui, surtout les punitions, mais écoute, les jeux de passe, ça serait amélioré aussi. Là. Les sorties de zone, on va en parler, c'est sûr, pour les prochains matchs. Là. On va en discuter. Parlez-moi un peu de l'ambiance pour le tournoi Midget. Comment vous avez trouvé ça comme entraîneur? L'ambiance? Oui, l'ambiance du tournoi. Non, c'est le fun. C'est sûr que c'est pas mon premier tournoi, mais non, belle ambiance, beaucoup de spectateurs. Puis oui, les joueurs sont dedans, puis c'est le fun. Parfait, je vous remercie beaucoup. Bonne chance pour le reste du tournoi. Bien, merci. En compagnie de Marc-Antoine Landry, le joueur du match pour les Stars 2 de la classe B. Parle-moi un peu de la rencontre. Ça a été un match très serré. Ouais.
Alors, comment tu as trouvé ça, justement, de disputer cette partie-là contre l'équipe que vous aviez jouée pas plus tard que samedi dernier? Oui, bien, c'est sûr que c'était le fun parce qu'il y avait de la rivalité. On a joué contre eux, ça fait pas longtemps. Fait que il y avait encore de l'animosité du dernier match qu'on a joué contre eux. Fait que je trouvais ça intéressant. Et qu'est-ce que tu penses que vous allez devoir faire pour les prochains matchs pour essayer de penser pouvoir accéder au deuxième tour? Il va falloir garder notre grosse énergie, celle qu'on a d'habitude, notre équipe rapide. Améliorer nos sorties de zone, puis essayer de faire plus de passes à l'entrée de zone, puis décocher plus rapidement. Je te remercie. Merci. Félicitations pour le joueur du match, puis la victoire, et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup. Merci. Salut. C'est ce qui conclut cette émission. Les Stars sont donc encore invaincus jusqu'à présent dans le tournoi Midget, alors qu'ils ont remporté 4 victoires et fait un verdict nul. Ça augure donc très bien pour la suite du tournoi. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine!